Mais non, c'est-à-dire, bon, avec les féminismes, c'est-à-dire, il y a l'écoute à côté, il y a les vidéos. Donc, les vidéos que j'ai faites en 72. Et là, ça c'était vraiment plus woman's lip que les photos. Les photos que j'ai voulu faire, donc, un manly knack, donc un homme, c'est montrer la fragilité d'un homme. Fragilité de l'homme. Oui. Donc à travers vous, à travers votre... Moi je regarde, moi je dirige. Et c'est vous qu'on voit sur la photo? Non, c'est un homme. Ah, c'est un homme? Ah oui, j'ai voilà. J'ai toujours cru que c'était vous. Voilà, c'est ça. C'est ça l'ambiguïté, finalement. Ça, oui. Parce qu'il y a très peu de gens qui voient que c'est un homme, en fait. Parce que, bon, les mouvements et tout ça, tout est... Parce que, bon, on a tous un côté féminin et masculin, tout le monde. Et moi, j'ai voulu montrer cette fragilité d'un homme, la beauté d'un homme, mais pas ce côté von Manpower, mais le contraire. Aussi la poésie qui était dedans, etc. Ouais. Et bon, la photo est aussi prise contre-jour, c'est-à-dire avec la lumière qui rentre dans... Un peu l'inverse de Marcel Duchamp, qui lui se déguise en femme. vous montrez... La réalité. Vous montrez la réalité. C'est la réalité. Non, parce que bon, c'est un côté... les hommes n'aiment pas ces photos. Il se sent un peu choqué et mal à l'aise. Ouais. Oui, c'est vrai que le double féminin est rarement accepté, sauf chez les transsexuels qui ont besoin de s'affirmer en tant que femme. Oui, mais je parle normalement. Quoi. Oui. Et donc ça a choqué à l'époque, cette manière encore de... Maintenant. Encore maintenant. C'est assez bizarre parce que les hommes se sont mal à l'aise. Ouais. Non, ça a choqué dans l'époque. Ouais. Sauf que, bon, avec mes vidéos que j'ai faites en 72, c'était carrément interdit de les montrer. Ah bon? Ouais. Donc la nudité masculine. Mais là, c'était bon. Les vidéos, c'est moi. Ouais. On peut parler des vidéos, qu'est-ce que vous montrez sur la vidéo? Donc c'est vous qui êtes c'est moi-même, parce que là, là j'ai renversé les rôles, c'est-à-dire c'est vidéo. Donc vidéo, ça veut dire, à ce moment-là, c'était fantastique, parce que voilà, on avait tout de suite l'image. Donc c'est pas comme un film qu'il faut aller au laboratoire et tout ça, non, on a l'image fixe tout de suite. Donc j'ai renversé les rôles parce que ça s'appelle hommage à. C'est hommage à, ça veut dire à toutes les femmes qui ont posé pour les hommes. Quand on prend l'histoire de l'art, bon, on passe dans un musée, on voit que ça. Alors moi, j'ai pas voulu prendre une femme pour faire ça, je le fais moi-même. Donc ça, c'est l'histoire de vidéo. Ouais. Donc finalement, vous avez lutté pour la libération de l'homme. Et de la femme.
Et de la femme, oui. Oui, bien sûr. Vous avez renversé le rôle. Renversé le rôle, oui. Parce que, bon, dans le temps, il y a tellement longtemps, c'était pas évident d'être artiste. Donc là, c'était la lutte, quoi. Parce que pour le monde de l'art, c'est quand même un monde de masculin. Toujours maintenant ? Encore maintenant. Beaucoup moins. Mais ça dit, bon, on ne peut pas comparer maintenant. Parce que, bon, toutes les femmes, s'il y a une fille qui veut devenir artiste, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui au niveau... C'est-à-dire, c'est la même chose qu'il y a 30 ans. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Donc maintenant, je suis en train de faire des œuvres en papier mâché, mais le papier mâché est fait de The Times, The Financial Times. Et donc, ce sont des méandres. Et dans les méandres, on voit tous les banques et les trucs et les tracts. C'est ça qui se passe pour le moment. Et c'est ça que je suis en train de traduire. Et vous photographiez ou Non, ce sont des sculptures. Ah, ce sont des sculptures. C'est des sculptures, oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Que l'argent est... L'argent, et surtout les banques, écoute, c'est incroyable. Bon, tous les gens qui souffrent à cause de ça. C'est-à-dire, et c'est ça, c'est infiltré dans tout. Ça change complètement le monde, ça change vraiment... aussi dans la culture et tout ça. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez de la citation s'il ne faut pas partager les richesses, il faut partager la richesse. Ah oui. Ben, en tout cas, il faut la richesse. Il faut partager. Oui. La richesse ? Oui. Il faut sortir du monde de l'argent. Oui. Là, quand je parle de richesse, c'est la richesse intérieure. Ça, c'est le vrai truc. Le reste, c'est vraiment... C'est la seule réalité. Quoi. Oui. La seule réalité à redécouvrir. Oui. Dans l'art et dans la vie. Parce qu'on sera obligé de vivre autrement. Donc, c'est un moment de pas du tout. Ah bon, c'est sur la caresse. Ah. Attendez, la caresse de l'œil. C'est-à-dire, la caresse de... Bon. Alors, quand vous voyez, donc, le corps, c'est vraiment un hommage à tous les peintres qui ont peint la femme. Ah. Et là, c'est de renverser les rôles. Oui, il s'agit de l'art. Pas d'autre chose. L'œil. Oui. Qui est chez Bataille assez explicite. Oui. Bon, ce qu'il y a, l'œil, on ne voit pas. Personne ne voit. Sauf qu'avec l'esprit, on regarde avec ses. Helsens, comme je dis. Sa culture aussi. Sa culture et. Oui. On regarde avec sa culture. Et le phénomène d'extase. Extase. Ça ne vous a jamais fait... Non, pas du tout. Parce qu'il y a des moments où il y a une espèce de rythme dedans. C'est tout. Mais c'est non, pas parce que l'extase, je pensais à la court-circuit de la pensée. Ah non, justement. Quand le corps retrouve son... Non, c'est justement l'esprit et le corps qui doivent travailler ensemble. Ça, c'est l'art pour moi. Sinon, ça n'a pas de sens. Il doit toujours y avoir un contrôle. Mais non, on pense à... L'art vient de ce qui se passe dans la tête. Quoi. On pense à ces choses, pourquoi et comment, ça se passe là-bas. Et le corps n'a pas son... Et puis le corps suit. Ah, oui. Il n'y a jamais de lâcher prise. Non. Non. D'accord. Donc vous êtes une artiste conceptuelle, finalement. Je viens de là.
Je vais encore remarquer autre chose. Sous le problème.